Bonsoir à tous les breakers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne TGS Rockstar Club pour la présentation custom et test en avant-première d'un futur véhicule avec le DLC Bottom Dollar Bounties. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au Pegassi Pizza Boy. C'est donc ce scooter, et ce scooter sera ajouté en même temps qu'un nouvel événement qui va arriver en mode libre sur GTA Online. L'événement s'appelle tout simplement Pizza 10, où il faudra donc être livreur de pizza. Et cet événement, je vous en parlerai plus en détail dès demain soir. J'ai pu récolter un maximum d'informations et je vous donnerai tous les détails possibles et connus autour de cet événement, évidemment. Donc je vous donne rendez-vous demain soir sur la chaîne. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description quand elle sera disponible demain soir, au cas où vous tombez sur cette vidéo avant. Donc là, on va se concentrer sur ce scooter, qui est donc, comme je vous l'ai dit, le Pegassi Pizza Boy. Un scooter qui sera achetable sur le site souterrain de sanandreassuperauto.com à un prix de 146 250 chez TA dollars en tarif spécial. Et en tarif normal à 195 000 GTA dollars. Donc ce scooter, hein, vous l'aurez compris, il est identique au Pegassi Fadio Sport. Un scooter qui n'est plus disponible, hein, à l'achat sur GTA Online, mais que vous pouvez acheter cette semaine, je crois, avec la... Ah non, c'était la semaine dernière, avec la concession de Simeon. Mais en tout cas, il n'est plus disponible sur les sites d'achat. Mais voilà, en fait, c'est exactement le même que le Pegassi Fadio Sport, sauf qu'ils ont rajouté la petite caisse de livraison pour les pizzas et pour le restaurant Pizza 10, voilà. Donc écoutez, il n'y a pas grand-chose à dire de plus, hein. C'est un scooter qui est plutôt joli, hein, d'aspect, on va dire. Après, l'intérêt sera surtout autour de l'événement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller le tester vite fait, bah, jusqu'au LS Custom, voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire finalement sur ce véhicule. Et puis voilà, hein, ça va être une vidéo qui est plus ou moins courte, mais c'est juste histoire de vous présenter ce véhicule avec plus de détails. Only inches. What miracle did you want me to perform? Alors, qu'est-ce qu'on peut y faire là-dessus? Mettre les freins, évidemment le blindage, reprogrammation moteur, klaxon, on s'en fout, éclairage. On peut mettre le xénon, ok. Plaque, vous pouvez modifier la plaque. Peinture, bah là, vous pourrez choisir évidemment du coup la peinture qui vous plaît le plus. On peut le faire vert lime du coup. Couleur secondaire, ça donne quoi? Ah, c'est celui-là, on peut le faire soit blanc, soit rouge. On va faire comme ça. Est-ce qu'il va y avoir des motifs là-dessus? J'ai l'impression que non. Hein. Transmission, turbo, ok. On pourra modifier les roues, ce qui est plutôt cool du coup. Voilà, donc là les jantes que vous pouvez mettre sur, sur ce scooter, hop, les couleurs, évidemment on va mettre blanc du coup, comme ça on est aux couleurs de la compagnie. Apparence des pneus, ah on peut mettre les petits, ah bah c'est cool ça, ok, pneus à l'épreuve des balles évidemment, et puis après la fumée des pneus, si vous voulez, hein, voilà, et c'est tout. Alors je pensais qu'il y aurait au moins des motifs.
Donc voilà pour la présentation et custom de ce Pegasi Pizza Boy. Vous voyez, on n'a pas pu faire grand-chose de plus. Juste la base, hein, finalement, les jantes, les pneus, la couleur principale et secondaire. Je pensais qu'il y aurait quand même quelques motifs, comme je disais, mais finalement, il n'y en a même pas. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Et puis, on va aller vite fait l'essayer. Et ce sera tout pour cette vidéo, du coup. On va voir si on voit la différence, mais en termes de vitesse, ouais, peut-être un petit peu. Ah, il y en a qui demandaient s'il y avait la marche arrière sur ce véhicule. Comme dans Taxi 1, bah non, hein, c'est avec les pieds, hein. Il n'y a pas de marche arrière, évidemment. Voilà. C'est un peu dommage d'ailleurs, ils auraient pu la mettre, mais bon. Et je pense que c'est plus une référence à Vice City ou... Ouais, c'était dans Vice City qu'on faisait ça. J'étais à Vice City qu'une référence à Taxi, là, pour le coup, le scooter. Voilà, après vous pouvez faire quelques roues avant. Quelques roues arrière, plutôt. Et puis après, ouais, rouler sur les trottoirs. Sans trop de problèmes. Mais voilà, rien de plus, quoi, rien d'incroyable. Mais au moins, je vous l'aurais présenté. Voilà les breakers, c'est donc tout pour cette présentation custom et test de ce Pegasi Pizza Boy. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez de ce véhicule en commentaire. À lâcher le pouce du soutien, évidemment, c'est très important. Vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos sur la chaîne. Et puis à me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, X, Instagram et Discord. Tous les liens sont dans la description. Et je vous donne rendez-vous demain soir pour parler plus en détail du coup de cet événement Pizza 10. Donc à demain et encore merci à tous. A très vite, ciao.